Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je fais ce tutoriel pour vous montrer comment vérifier votre compte Hotbit. Dans mes précédentes vidéos, j'avais montré comment créer un compte, comment recharger son compte Hotbit avec l'échangeur IG15. Aujourd'hui, je fais ce tutoriel pour vous montrer comment vérifier votre compte Hotbit. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, je vous invite à liker ma vidéo, à vous abonner et surtout laisser vos commentaires pour m'aider à améliorer mes prochaines vidéos. Donc, je vais ouvrir l'application Hotbit. L'ouverture est en cours. Ça, c'est un compte démo. C'est un compte démo que je vais utiliser pour vous montrer comment vérifier votre compte Hotbit. Donc, pour vérifier le compte Hotbit, vous cliquez en haut à gauche. Là où c'est écrit à compte, vous cliquez là-dessus. Ensuite, vous venez, vous cliquez dans Security Center. Là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez soit vérifier le compte par Google Authenticator ou alors vérifier le compte par SMS. Nous allons utiliser Google Authenticator. Ceux qui n'ont pas Google Authenticator, vous pouvez rechercher sur Google. Vous tapez Google Authenticator. Vous allez pouvoir télécharger l'application et l'installer. Donc, on clique sur la deuxième ligne, Google Authenticator. Google Authenticator a généré un code que je dois copier. Donc, je copie le code. Là, on me demande d'entrer mon mot de passe. Le mot de passe que je dois entrer, c'est le mot de passe que j'utilise pour me connecter sur Hotbit. Donc, moi, j'avais utilisé un mot de passe très simple. J'entre mon mot de passe Hotbit. Ensuite, on me demande d'entrer la clé 2FA. La clé 2FA, où je trouve cette clé, c'est sur Google Authenticator que je vais aller copier cette clé. Donc, je pars sur Google Authenticator. Voilà. Sur Google Authenticator, je clique sur ajouter le plus. En bas à droite, je clique sur plus pour ajouter un nouveau compte. Donc là, on me demande si je veux scanner le code ou alors si je veux saisir le code. Moi, je vais prendre saisir le nom du compte que moi je vais sécuriser. Hotbit. Hotbit. La clé. Votre clé, on me demande votre clé. C'est la clé que j'avais copiée sur Hotbit. Donc je colle cette clé. Voilà. Là, on me demande basé sur l'heure, basé sur un compteur. Voilà. Je vais garder basé sur l'heure, basé sur l'heure. Donc je fais ajouter. Donc voici, c'est fait. J'ai vérifié mon compte Hotbit comme ça. Donc pour pouvoir me connecter, lorsqu'on me demande d'entrer ma clé de vérification, je viens, je copie ça, je pars, je colle. Donc les amis, j'espère que vous avez compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter. Dans la clé, cette clé là, Hotbit, cette clé, je copie pour finaliser. Je copie cette clé, je viens, je colle ici. Voilà, et je clique sur confirmer. Donc là, l'opération est finie, c'est fini, c'est confirmé comme ça. Mon compte Hotbit est sécurisé et c'est tout. Là, mes fonds sont sécurisés. Personne ne peut
pouvoir avoir accès à mon compte Hotbit si cette personne n'a pas accès à mon téléphone. Voilà. Donc là, mes fonds sont sécurisés. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ma vidéo pour aider d'autres personnes à sécuriser leurs comptes. Merci beaucoup.